Fabien habite en région parisienne. Catholique, il a épousé Maria, qui, elle, est russe orthodoxe. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, Hélène 10 ans, Isabelle 7 ans et le petit dernier Pierre, 5 ans. Dans leur appartement, il y a le coin rouge, issu de la tradition orthodoxe de Maria. Je vais vous montrer ce que les orthodoxes appellent le coin rouge. Et c'est une tradition très ancienne. Avant, dans la pièce commune, on dédiait l'angle droit aux icônes qui étaient appréciées particulièrement par le foyer. Le but de ce coin rouge, c'est de protéger le foyer. Et finalement, pour nous, c'est une façon de visualiser en fait la religion et finalement de la rendre plus présente en fait dans notre famille. Dans sa chambre, Hélène a aussi son icône. Cette icône, ça vient de mon arrière-grand-mère et je l'ai choisie parce que c'est la Vierge Marie qui est représentée sur cette icône. Quand je prie plus à la Vierge Marie et du coup c'est pour ça que je l'ai choisie. Fabien et Maria souhaitent vivre une prière familiale avec leurs enfants, mais ils cherchent encore la meilleure manière de leur transmettre leurs 2 traditions. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On a les mêmes prières, oui d'accord, les rites sont différents, ça on le sait en fait, il n'y a pas de souci. Les enfants le savent, mais je pense qu'il vaut mieux quand même mettre en avant les choses qui nous rapprochent au lieu de se concentrer sur les différences. La découverte pour les enfants, je dirais, elle est possible parce que c'est une découverte aussi que nous, adultes, on a faite. Moi, j'ai dû aussi m'interroger sur l'orthodoxie. Hélène, la plus grande, très tôt, elle a compris que son père allait dans une église différente de celle de sa mère en Russie. Ce que je souhaite transmettre à mes enfants, c'est surtout la connaissance de la liturgie. C'est pour moi un point essentiel. Donc je suis très content qu'Hélène vienne à la messe. Je considère qu'en priant ensemble, on ne renonce pas forcément à sa tradition. Je n'empêcherai pas mes enfants d'aller à la messe catholique. Au contraire, moi je suis contente en fait qu'ils puissent participer à la vie de la paroisse et aller à la messe de façon régulière, puisque ça compense peut-être un manque de la vie religieuse orthodoxe en fait ici. Le défi de toute façon c'est la prière en famille. Dans un premier temps, il ne faut pas oublier qu'il faut une forte volonté. Ensuite, je pense que les couples issus de communautés chrétiennes différentes peuvent s'enrichir aussi par la prière et en même temps elles peuvent manifester l'unité. S'enrichir parce que chacune peut échanger des prières de leur tradition propre dans lesquelles les enfants peuvent rentrer paisiblement. Et ça, c'est un enrichissement, bien sûr. Et puis aussi une unité, parce que le Notre Père, c'est le même. Les psaumes sont les mêmes. La Bible, pour une part, est la même. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent manifester la singularité de l'œcuménisme, à la fois l'unité et cette diversité. Dans chaque tradition, il y a quelque chose à recevoir. Pas à prendre, mais à recevoir, à accueillir. Et sans se trahir, ça n'aurait pas de sens que la maman chrétienne dise « je ne parle jamais de la Vierge Marie parce que mon mari est protestant ». Non, du coup elle ne serait plus elle-même ce qu'elle est. Et les enfants seraient encore plus perdus. Et donc c'est cette acceptation dans la vérité. Il n'y a que la vérité qui nous aidera à construire l'unité. On dit aux enfants, chez les grands-parents, on fait comme ça, on agit comme ça. C'est une tradition familiale, là, c'est une tradition spirituelle. Et ne jamais perdre les occasions de faire découvrir à leurs enfants que cette tradition spirituelle qu'ils vivent à la maison, elle est réellement vivante. Je dis ça à l'occasion d'un voyage, on va dans un temple, on va dans une église orthodoxe, et que l'enfant soit capable de voir, d'incarner ce qu'il entend et ce qu'il voit vivre à la maison. Les familles issues de communautés mixtes, comme on dit, sont le signe que c'est possible de se parler au nom de notre appartenance au Christ. C'est déjà quelque chose de fondamental. C'est pas la même chose que des couples qui se moquent ou qui n'ont pas de religion ou qui disent surtout je parle pas religion. Mais ceux qui essayent de vivre quelque chose de l'unité, ça veut dire qu'ils le manifestent, ils le montrent, ils en vivent.
Et donc, ce sont des signes annonciateurs de ce vers quoi tout le monde doit marcher.